Et le fruit là, ce n'était pas un fruit naturel, parce que son fruit naturel, bah l'acceptation ça la kawa. C'était le rapport sexuel et le diable a fait avec la femme. Ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelait du nom de Caïn. Est-ce que ça m'a bêté au lobby en bouée? Non, aucune peut. Moutoua, ça m'a dit que c'était moutou. Et ça dit que moutou, ça les descendants de Satan, c'est-à-dire Caïn. Mais moi je ne parle pas à Poto, moi je parle de la parole. Toutefois, même toi qui m'écoutes en Europe, qui obéit à la voix de Dieu, qui marche selon la lumière de la parole, vous devez être obéissant à votre mari. Cela ne veut pas dire que le mari devait faire de n'importe quoi dans les foyers. Dans l'église de Dieu, nous voyons des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs, ce sont soi-disant des hommes de Dieu. Ils ont été en onction, il y a 100 dollars, il y a 200 dollars. Et les acheteurs, ce sont soi-disant des fidèles. Osée 4 et 6, Bible le dit, sont mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Son moni moutazon, mais on dit, mais la caca malobanaï. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Ou alors, il y a une usurpation à pouvoir. Bonjour, bonsoir Nathan et Koutabino. Tozana site Nabino www.tolobelavie.com. Maman, papi, gende to solaka, nde to lobelaka, to lobeli, pe to ko lobelaka, ngo toujours. Na émission, la bino la découverte. Bon, lelo, to ye vraiment, to ke no makama polémique non te, to ye okuta na homme de Dieu. Bon, nga la ebile, to bandoye ko kola, to bandoye ko kaka, bobo te mana lissoumo Adana Eve. To ko liti to ye ba ape lissoumo ngo pete. Oh non, Adana Eve ba liara mbouma. Mbouma ngo pe to ye ba rate. Sikoyo, balobi pekeno, l'arbre a été planté au milieu du jardin. Sikoyo, au milieu du jardin, pourquoi ils arrivent à pointer, mais car en au milieu du jardin. L'arbre a connaissance, il y a vie et la mort. Après le sousou, Caïn a offrir Nzambe, Bambouma, Nzambe Bozoango. Abel a offrir Nzambe, Makila, Nzambe Aziango. Bon, nanyo sotouana. To ye kokuta na mosala nzambe oyo ye azo ki révélation do baza mingite ye bakaka tala age nanga banda to bota mana nvuma na yo kamaka mote donc sans plus tarder to koyoka homme de Dieu a ko expliquer en détail vraiment le péché d'Adam et Ève izala kinini. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir ma sœur. To benga nani pasteur, évangéliste, prophète ou bien diacre. Bon, en soi, d'abord, on a qu'on s'est présenté. D'abord, on a pas moli libo dans Nzambe. Au bazo, l'andanga partout, bozoami, Nzamba pas mola bino. Na opportunité, oyo, parce que nanzela ya émission na bino, tolo bile la vie. Oyo, yé li sousou, parce que, et ça parmi les émissions, tant que tu zala qui encore un peu moins âgé, qui âge, tu zala n'ango lelo, tu zala y kolega na émission, oyo, on a profité li sousou, ko pe sa mbote. Na bandeko nyonso en particulier aussi na mon bien-aimé papi Gene oyo azala ki pe moninga na oyo sika pa yebi ba mission oyo pa za komona nga pona se présenter facilement nana kombo na ngai Boniface Mbangudida na za na ministère pastoral mais par la grâce de Dieu na enseigné à rappeler liloba na Nzambe parce que Dieu m'a donné cette grâce d'enseigner aussi les autres. Donc, osa pasteur. Nazali pasteur, naza mobateli empate. D'accord. Si je vois un autre, non, non, si ma, parce que toi, tu qui est pasteur, qui est évangéliste, tu vois, tu as un. Bon, si je n'ai pas vu ça, péché Adam et Eve. Pourquoi vous expliquez, tu vois, on a vu ça, l'un de la création. Vraiment, pour nous, okay, nous avons expliqué la création de Nzambe, interdit ça qui Adana et Balia, Mboumamboum, autant Balia, et ça qui n'est vraiment tout ébarraté. Pourquoi vous expliquez Nzambe? Merci pour nous, Nabino. D'ailleurs,
à travers votre mission là-bas, si je ne me trompe pas, c'était en 2009, dans les cas de la mission Nabino, et il y avait de, beaucoup de choses qui se sont passées. Batouba Kenda gauche, Bakenda droite, mais ce qui est important pour Nabiso Bananzambe, révélation dans l'Ilobanzambe est progressive. Lelo peut-être qu'on y est balikamouté, mais demain après demain, au Koko Manaboye Bimoussous. C'est pourquoi Nzambe et Moukaza qu'on recommande, surtout à la Naboye Bi, tous à la Nami sur le Kola Yabampongo, c'est-à-dire aigle. Aigle à Monaka, loin, Oyo Batoumoussous, Bandeke Moussous, Bamonakate. Et puis, ce qu'on a dit, aigle avant d'Akabisika Yayemoko. Azamoutou, Tambou Lakate, le Kola Bamouano, le Kola Batoumioso. C'est la même chose aussi quand nous venons en Christ Jésus. Dieu nous a donné seul la révélation. Vous pouvez dormir ensemble avec quelqu'un. Par rapport à la révélation, il y a l'histoire, il y a Adam et Ève. D'abord, ce que je suis précis, pour le coup, je suis minute mingité. Ce que je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27, la Bible le dit était, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Là, la Bible nous parle de l'homme qui a été créé dans l'image de Nzambe. Et cette image, c'est ce que Jésus a dit dans Mukanda et Jean chapitre 4, versets 23 à 24. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu d'abord, il a commencé à créer l'homme par son esprit. Azaki n'a pensé, comme tout parent, comme Moutounioso, Sokalinga a élaboré le projet, Azala Kanango d'abord n'a pensé, après Sima a matérialisé sa pensée. Vous allez voir, c'est comme dans Genèse chapitre 2, verset 7. Là maintenant nous voyons, Nzambe a quel mot. Tant on a sali Mobali, l'homme donc est mobile, homme a mal, a sali Mobali. Mais où était maintenant la femme? Parce que déjà dans Genèse 1er, on nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, on nous parle encore que Dieu a créé encore l'homme. Mais où était la femme? Cela veut dire quoi? Dieu tant a créé l'homme, soit qui moi si a bomba qui est katina l'homme. La femme était dans l'homme. Tout le monde croit à ça, mais ils n'ont pas vu. Mais qui était? Donc c'est-à-dire l'homme était comment? Tant au mutu nzambe a bombi moi si nakata nakatiya mobali. C'est-à-dire l'homme était comment? Et qu'est-ce que Dieu avait tiré dans l'homme? Alléluia. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire ceci. Tant qu'on te commis dans Genèse chapitre 2, nous avons sali l'homme. Mais il dit encore dans Genèse chapitre 2, verset 16, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tandis que dans Genèse 1, il dit que nous avons sali moutou. Moutou, on a sali moutou, on a molimou. Mais dans Genèse 1, Genèse 2, verset 7, Nzambe a matérialisé l'homme. C'est comme Jésus. Il était d'abord en esprit, mais il est devenu Emmanuel, habité parmi les hommes. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, la parole faite chair, habité parmi les hommes. Lilobe, comment qui paye pas? Pasteur, moi, je suis venu à la là, pasteur. Quand on a un sujet, on a alors, pasteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ma il y a un problème, il y a fouillé de la connaissance du bien et du mal. Tant que l'homme a sali, tant que Ayeko Sala, moi, si, dans Genèse 2, verset 24, Nzambe a matérialisé la femme. Moi, si dans mon bali, ba salaki. A sali, ba moni, a placé, ba moni, dans les jardins d'Eden. Maintenant, son total, dans Genèse chapitre, Genèse chapitre 3, la Bible nous dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est-à-dire une question, à tout ni et pas à moi. Mais bah, l'obin aviso était, le serpent était l'animal le plus risé. Risé na hébreu ba bengi yango maha. C'est-à-dire il connaissait tous les principes de l'Éternel. Et cet animal qui était le serpent, ce n'était pas un animal comme ça. C'était comme Dieu. Nzamba vanda kanakati na mutu. C'est comme ça aussi, le diable aussi a incarné kanakati na eloko moko songolo. Et le serpent là, Azalaki chen, nakati serpent wana, Ezaki cheno manka. Entre l'homme et le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent wana aïe, ce n'était pas le serpent, c'était le diable incarné dans le serpent. Elle a une forme à makako? Non, Azalaki na forme à makako, Azalaki na forme à bande koloba. Le serpent parlait. Parce que, ma soeur, est-ce que Bino Bozola n'a pas d'accord? Nyo kana moutuba koko solo la.
Mais serpent au bazar, ça dit était à tout naki une question à une femme. Ça dit cette serpent là était un homme incarné dans un dans l'animal. À tout nier, est-ce que Dieu a-t-il réellement comment un serpent est battu en zambazalaka? C'est-à-dire c'était le diable Lucifer qui savait que non nous avons appelé ça qui hors de moko songolo. Mais à même moi si n'a qu'au douter na maloba. Pourquoi? Parce que déjà dans Genèse chapitre 1, pardon 2 verset 15, nous avons yebi ça qui déjà na l'homme hors de o yakoki ko sala. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Genèse 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Awa, moi, c'est Azati. L'homme n'était pas, la femme n'était pas encore matérialisée. Mm-hmm. Mais surtout comme dans Genèse chapitre 18, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mm-hmm. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire, même la Genèse 2, verset 18, la femme a zala qui n'a mouté. Hors de ces pésama qui déjà pas y a Adam, mm-hmm. de garder le jardin d'Éden. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'envoyer, les serpents savaient que la femme n'avait pas la connaissance exacte de ce que Dieu avait dit à son mari, qui était Adam. Aïen a Eve pour faire douter à travers la parole de Dieu. Elle dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Or, effectivement, Dieu avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais la femme, qu'est-ce que la femme avait ajouté? Si vous continuez dans le verset de Genèse chapitre 3, qu'est-ce que la femme a dit? Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Oh, Dieu n'a pas parlé du mot de toucher. Mm-hmm. Dieu a dit seulement de ne pas manger. Mokolo oyo bokolia yango bokokufa. Mais il y a le lobby, nzamba lobby na biso to liate to simate. Oh, la Bible nous dit ceci. Tout ce que l'homme peut ajouter est commis déjà et commis connaissance na elle. Et c'est pas comme azaki na exactitude. Il y a ma commis parce qu'avant dans Nzambe. La Bible nous dit ça clairement. Le diable était avec Dieu. Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 11 à la maison, si vous lisez, vous allez voir qui était le diable. Mm-hmm. Le diable, Azala qui moutou avant qui n'a Nzambe, Azala qui n'a connaissance exacte de ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Dans mon commis bongo, à Ébissi était, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Moi, c'est là où maintenant les serpents accordent ici maintenant connaissance d'ailleurs. Abis, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, il a pris Dieu comme menteur, il veut se prendre comme quelqu'un de la vérité. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent prendre Dieu comme menteur et puis, ils vont comme à l'eau, la bangou ne basa dans solo. Solo et Zaline Nzambe, parce qu'il y a des vérités pour la vie. Pour bon, je suis content au serpent, Abis, c'est que. Au recul, il y a un yo, et là, on est les cas qui cassent. Je veux dire, là, on est sur une bande en Rwanda. Et là, on est les cas qui, dans le temps où devant l'arbre, il y a connaissance, il y a bien et du mal. Là, d'abord, dans les jardins, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Mais la Bible nous dit ceci, que la femme, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu l'arbre était bon. Elle a vu l'arbre était bon pour manger. C'est-à-dire, c'était quoi? D'abord, elle avait la convoitise des yeux. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 à 17, n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Ce qui est dans le monde, les convoitises des yeux, les désirs de la chair ne vient pas du Père, vient du monde. Le monde et sa convoitise passera. Mais ceux qui font la volonté du Père demeureront éternellement. C'est-à-dire, convoitise et kota qui n'a qu'à na moi, allez arbre, il y a connaissance, il y a bien et du mal. Allez fruit. Et le fruit là, ce n'était pas un fruit naturel. Parce que son fruit naturel, c'était le rapport sexuel et le diable a fait avec la femme. Ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelait du nom de Caïn. C'est là, non, pasteur. Donc, au moment où il y a des rapports sexuels, c'est un peu ça qui est Eve. Bon, moi, si on est nini, quand un fruit a l'air, Adam y est, Eve a dit que c'est Adam. Voilà, même moi aussi. C'est le même fruit qu'il a donné encore à son mari. Après, il a fait naissance à un enfant qui s'appelait le nom d'Abel. Pasteur, non, tout ça, on se comprend. Fruit ou non, le bizarre rapport sexuel entre serpent et Eve. Voilà. Mais si on est Adam y a qui est
Kaka fruit wana, évasion a pesi Adam. Si koyo, loko ezaki rapport sexuel entre serpent et Eve. Si koyo, et comme un sous rapport sexuel entre serpent et Adam. Non, je dis ceci. Quand le serpent Eve, quand le cas la femme a mangé. Après avoir mangé, la même femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand son mari est venu, c'est la femme qui a donné à son mari le fruit. Après, c'est sous moi, Sinaï. Mais vous allez voir, il y avait naissance et salémaké. Donc, pasteur, n'a comprendre. L'air Adam, serpent à Eve, va passer par rapport, serpent Kéi, le même moment où Adam y est. Eve a servi sous Adam. A servi son mari qui était Adam. A ébissé que non, l'arbre Oyo, et ça qui toque au pont à Colia. Et Adam peut aller à moi, à mon amour, et ça là qui bien. Malheureusement, pour Naïe, après avoir mangé, la Bible nous dit ceci. À mon était à comprendre maintenant, c'est ressentir que Bazaki ni. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de l'Éternel qui le couvrait. Babanda Koye, Bate, Bazalaki, va découvrir que Bakomini. Donc moi, ça sera qui adultère. Ils ont fait, effectivement, Eve avait fait adultère. C'est pourquoi, n'a lancé encore une fois de plus, si quelqu'un veut douter de cet enseignement, la Bible Mobima de Genèse Apocalypse, Malobi était, Eve est la mère de tous les vivants. Mais dans l'écriture, mon côté de la Bible, on nous parle que Adam est le père de tous les vivants. Pourquoi on dit, Eve est la mère de tous les vivants? Parce que, na descendance, il y a Caïn, il y a Kota qui déjà dans ma belle. Il y a pardon, il y a serpent. Na descendance, il y a dans Moutaboti yango maman moko qui est Eve. Voilà. Bon, si quand on voit Caïn botaminé tout le temps dans la Bible, on dit comment Caïn a eu offrir Zambé premier fruit naé. Ne va le voir que non un dixième au père de Zambé. Il y a bande de négros ça va non l'on a va fruit tout ça là. Après si Zambé Zambé boy a yamba qui a monté. Mais à bel temps on a offert Zambé makila. Zambé koyambango. Si quoi on a place on a révélation une oeuvre là qui est entre Caïn et Abel. D'abord, au moins, voilà une bonne question encore. Vous savez, Abel et Caïn, mutumoko ta forsa bango baya ko sala offrande. Bango bi balé baye ko adorer Nzambe. Selon bango. Et Adam, pardon Caïn, azalaki cultivateur. La Bible nous dit ceci, on donne ce qu'on a. C'est-à-dire, Caïn aya ki na biloko sala ki nango. Abel aussi azala ki ba Bible le dit na biso kete Abel azala ki nani azala ki muto azaki berger aye pe na meme il devait donner aussi ce qu'il avait mais eloko ya makase zanini Abel avait la révélation de la parole plus que Caïn. Pourquoi Caïn aye ko offrir offrande? La Bible nous dit ceci: Dieu n'a pas porté regard si l'offrande de Caïn, si Caïn est son offrande. Nzambatala ni Caïn ni son offrande. Pourquoi? Parce que Caïn azala ki descendance na yeti. Mais il porta le regard à l'offrande d'Abel. C'était ça parce que Abel azala ki na révélation. Et qu'est-ce que Abel avait offert? C'était l'agneau. Or, son père, c'est-à-dire Adam et Ève, tant qu'on a péché, la première des choses qui s'est passée dans le jardin d'Eden, Nzamba boma agneau azui posowana alatisi papa na bango. Or Abel aussi a sali abomisu agneau wana o ya boma ke sala ki prépaque et ça symbolise que un jour véritable Pâque koya qui est Christ Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un agneau. Bible dit a porté regard sur son offrande parce qu'il avait la révélation. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Abel avait la révélation. Il offrit de bonnes choses à l'Éternel. Il savait que et l'autre Memaki péché, c'était le sang, c'était la communion entre mon père, ma mère et Nanzambe. Pendant qu'on somme sa communion, on a essayé de maquiller la paix et tanga. C'était ça. Mais Caïn n'avait pas la révélation. Pourquoi? Parce que d'abord, Azali moi Nanzambe était Azali descendant du malin. Et la Bible nous dit dans des épîtres déjà, ne ressemble pas à Caïn qui était du malin. La Bible est claire. Okay. Caïn n'était pas de Dieu, il était du malin. Voilà. Il y a une révélation, il y a Nzambe te a offrir ba fruit au Nzambe a besoin en côté. Nzambe a qui n'a besoin ya makila, à mon makila, né à yamba offrande ya ya Abel. Mais pasteur, pourquoi ba homme de Dieu belé bazara na révélation wana te? Kaka yo ozana révélation wana. Écoutez,
ngana sale la kanzambe ya batu ebelete. Na sale la kanzambe oyo abengangai. Avec toute humilité, nzambe oyo abenganga parce que chacun de nous connaît son appel. Mais est-ce que ndenge mo misi révélation oyo que non ya ba rapport sexuel atana l'église catholique atana ba église yo surtout ba lobela hote est-ce que za mabete ndenge olobiango boye ba passer ba okane la hote non aucun peut mutu za mwana nzamba okane la muninga mwana nzambe ndenge mutu akane la ki mutu ezali kaka mutu za le descendant de Satan c'est-à-dire Caïn. Bible lobi ete tamwa pesi offrande ne amoni nzamba ya noli yangote fallait a mi poser ba question yena nzambe akaneli ndeko na il est parti tuer son propre frère tu vois donc mwana nzambe ya solo akanela kandeko na ete au contraire si son frère n'est pas dans la vérité avec amour ako ramener na lumière de la parole mais vous allez voir quoi la même chose que Abel avait faite c'est la même chose ce qui s'est passé tamwa nzamba tindi Moïse ke ndeko bimisa bana Israël. Vous allez voir quoi. Nzamba yebisi na Moïse, yebisa na libota Israël, ils vont tuer un agneau. Bazwa makila batiana na likolo. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est-à-dire le sang est un symbole moko ya monene. Dans Jean chapitre 1 verset 29, Jésus le dit, pardon Jean le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire ce que Abel, les enfants d'Israël, tout le monde a fait, c'était la ezalaki antitype pour na kolakisa ke véritable agneau koya pour na koya ko pesa ko pesa kimia solo. Mais encore une fois de plus na songili sous na Genèse 1. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Tala la Bible bande ko bino bolanda na sobo tali na Genèse chapitre 3 wana. Tamo nzamba bandi ko pesa sentence, la première des choses quand Dieu est venu na jardin a bengaki basi moi sina mobalité. Il a appelé Adam, Adam où es-tu? Mais Dieu savait que Eve aussi est dans le jardin. Mais pour la nina à Luca qui était. Bon. Non, 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 pour la nina à Luca qui était. Parce que la responsabilité to yé bien mon la Genèse 2 verset 16 à 17 au tanga était après ça qui est responsabilité à regarder quoi jardin d'Eden. Et deuxième des choses, tant mon nzamba bandi ko pesa sentence na yé, Dieu a puni directement la femme, à punir les serpents, mais à punir Adam. Pour Adam, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la terre qui sera maudite à cause de toi. Mais Adam, pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà, la femme que tu m'as donnée. Qui t'a appris que tu es mis? C'est la femme que tu m'as donnée. Appris du verbe apprendre. Voilà. Donc, alors, c'est moi si vous avez qui ça qui est. Vous allez voir. Déjà, moi, si je me suis mis au Kobunga, mais tant que après avoir adressé ma parole, adressé à Mobali, tant que si ici adressé à Eve, à MC Eve, boy. Comme tu as fait ceci, parce que tu as fait ceci, parce que le même le monde est en train de militer, que nous sommes égaux, à MC, à moi, si boy, ça c'est Dieu qui parle. Ton désir sera tourné vers l'homme, mais il dominera sur toi. Ça c'est là, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Même papa, ma sagesse à Moutou, tous les gens le croient mensonge, mais ils n'ont le la vérité. C'est-à-dire, Dieu a placé l'homme et le la chef et la famille. On en Afrique. Non, partout dans le monde. Mais moi je ne parle pas à Batou, à Poto, moi je parle de la parole. Toute femme, même toi qui m'écoutes en Europe, qui obéit à la voix de Dieu, qui marche selon la lumière de la parole, vous devez être obéissant à votre mari. Cela ne veut pas dire que le mari devait faire de n'importe quoi dans les foyers, parce que le mari a été donné aussi toute une charge. Toute une charge. C'est quoi? Nzamba lobi na mwasi na mobali ali na mwasi na aimer, ce n'est pas aussi facile, ma soeur. Ko linga isa facilité, faut aimer. Mais ayebisi na mwasi, ton désir sera tourné vers l'homme, il dominera sur toi. Et puis tu enfanteras avec douleur. Na pote basala système mo boyo ko gota oyo ka pe pas système. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Wana sa volonté ya Nzambe te. Ba luke la solution. Pour la volonté de Dieu, moi si abota na douleur. Mais tant que tu commis na serpent, Dieu n'a pas dressé la parole au serpent. Parce que Dieu savait que le serpent c'est le diable. O ba bandi bitumba bango na Yesu otali na Apocalypse chapitre 12. Bitumbe banda ki banda na lola. C'est-à-dire comme il attend ma serpent dressé qui est parole te. Qu'est-ce que Dieu a dit directement? Alors dit comme tu as fait ceci, directement sentence, sans adresser parole. Abiyo obanda ko ramper de la terre.
et je mettrai inimitié entre ta descendance et celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras les talons. Nzamba sali séparation. Cette inimitié on nzamba zoloba, encore une fois de plus, ezali une prophétie que nzamba zoloba été askaboli entre église na mokili. Toi qui amène, toi le pasteur ou le membre de l'église qui amène makamo mokili na kat église, nzamba lobi et a séparé yango. Je mettrai inimitié. Donc ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est du monde est du monde. On ne peut pas mélanger les choses du monde de l'amener à l'église de Jésus. C'est pourquoi même à l'époque de Jésus, tant mon batuba yeme me ba koma bateka, Jésus a zomi saki bango libanda. Et aujourd'hui malheureusement, dans l'église de Dieu, nous voyons des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs ce sont soi-disant des hommes de Dieu, bazo teka onction, yakana $100, yakana $200. Et les acheteurs ce sont soi-disant des fidèles. Osée 4 et 6, Bible le dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, c'est important pour nous d'avoir la connaissance de la parole. Se confier au pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ce que le pasteur vous dit, c'est réellement la vérité? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait Toumim et Ourim qui montraient si la lumière est la lumière est la perfection. Et aujourd'hui, notre Toumim et Ourim, c'est la Bible. C'est-à-dire tout ce que nous disons doit être dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà. Eh, hey, pasteur, Nassir, vous avez senti déjà que non, vous avez dit que pasteur, vous avez homme de Dieu, ça c'est l'homme de Dieu qui parle. Hein? Et là, il y a un verset à Malachie 3:16. 3:10. Malachie 3:10. Quand on mettait à la maison de l'éternel des trésors, nini, un dixième, il y a un verset à la révélation. Hein? Vraiment, on a évité pasteur pour Nangonga. Pasteur, ceux qui ont dit que pasteur est le numéro de la Nangonga. Donc beaucoup mais la biso to pona to ben sa sou pasteur aya pasteur lilobani ni asuko kokoko loba conseil no pesa basala nzambe bakanga makane lo moko venez recevoir l'onction, venez recevoir le mariage, venez recevoir le voyage. Vraiment na ebite sou zana elo moko ya lobela bango Bible lo biboye parce que wana na correspondre par rapport à lumière na émission ya ba collègue na bino na utai ko pesa bango verset oyo. Mais encore une fois de plus, nazongi lisu na makomi na nzambe parce que vaut mieux maloba elobaka maloba nzambe elobaka plus que biso batu. Bible lo biboye. Bible lo biboye na mukanda ya Jérémie chapitre 23 à partir du verset 20. Bible lo biboye. La colère de l'Éternel ne se calme pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté ses desseins de son cœur. Vous les comprenez dans la suite du temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. La Bible dit qu'il n'a pas envoyé ses prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été mandatés par Dieu pour parler de la part de Dieu. Et ces hommes de Dieu-là, on va les reconnaître facilement. Ils vont amener les enfants de Dieu à croire à la parole de Dieu, mais pas à leurs paroles. Okay. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a une usurpation. Il y a une usurpation à pouvoir. Parce que pouvoir, moi je suis que comme un pasteur, je ne suis pas le véritable pasteur. Parce que dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Donc Jésus qui est le véritable berger, c'est lui qui est le responsable de tous les fidèles. C'est-à-dire, un véritable homme de Dieu a contali samoutou le chemin de la vérité et de la vie qui est Christ et Jésus. Donner les offrandes, donner les dîmes. C'est vrai, moutou soka za enseigné à kopé sa yango. Mais yango te za message central ou central de la Bible. Message central de la Bible, obiso totali sabatou, c'est Christ. Qui était Christ? Il est venu pourquoi? Quel rôle que biso tozui? Parce que na début tolobe le yango. Adam et Ève, nos ancêtres. Non, nos ancêtres, Basalani, Bakouéaki. Mais Dieu ne pouvait pas nous laisser seulement. Bible le dit dans Esaïe 53, chacun suivait sa propre voie. On était comme des vagabonds. Mais nous avons ramené Bissot, à ramener Bissot dans Zélaï. Dans Zélaï, Christ et Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Paul Azoloba, Nabagalati, Abi,
J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Même les gens comme Josué, je finis par là. Josué qui était un leader à son époque. Mais à Yébissi, na libota, o yabada kota moussa. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous lisez ça dans Josué chapitre 24, a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Élie, à son époque, elle dit, jusqu'à quand clôturez vous des deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez-y auprès de lui. Voilà, on a conçu qui ça. Nous n'avons pas mouru dans libota. S'il y avait des questions, ceux qui ont habitué, ceux qui ont la préoccupation, donc on s'est disposé pour nako lobela lilobanzame parce que toi na posa bana na nzambe ba yeba solo nzamba pambola. Merci beaucoup, merci moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Liloba ya pasteur yangoana vraiment na pesi merci na sima ya caméra Mike Sona ye mutu aziba image oyo nzamba pambola yo. Na pesi susu mbote na vienna ngai kanga la machine de guerre na katia miki na pesi ba mbote. Na pesio beige tsungu beige beige d'or na pesio wa mbote place zali na yemo kote di mola bino tu wana vraiment bo soutenir émission na bino la découverte toujours na 3W tolobe la vie hein biso na bino ensemble à suivre bye bye tolobe la vie maninga tanga kokie tolobe la vie na ngosi fwe tolobe la vie. Boya tovana, tolo bela vi. Tango zifwenye, tolo bela vi. Nasita kongoe, tolo bela vi. Wanti kwen, mototeo, tolo bela vi. Mondan tse se si.